Alors, bon, d'abord, comme j'ai dit, j'ai précisé, je ne sais pas qui est E8. Bon, je connais deux 8, mais E8, je ne connais pas. Bon, oublions ça. Alors, ça, c'est aussi une question qui agite, qui a agité le monde des physiciens depuis la naissance de la théorie quantique. Et il faut bien comprendre que c'est un problème que pose spécifiquement la théorie quantique. Pourquoi? C'est le problème de l'interprétation. On pourrait dire, mais pourquoi faut-il interpréter une théorie physique? Quand je fais tomber une bille du haut de la tour de Pise, comme l'a fait, je crois, Galilée, il n'avait pas à se poser des questions d'interprétation, il voyait la bille tomber, il essayait de décrire le mouvement de la bille, tout ceci ne donne pas lieu à une interprétation à proprement parler. Simplement, le but de Galilée, c'était de fournir une description en termes objectifs, donc une modélisation de la réalité physique qu'il observait avec ses yeux. Pourquoi? Donc, si vous voulez, dit autrement, quand vous faites de la mécanique non quantique, il n'y a pas lieu de se livrer à une tentative d'interprétation. Les choses sont comme elles sont. Vous écrivez des équations, vous les résolvez sans vous tromper, et puis vous voyez bien si ça marche par rapport à ce que vous mesurez. Et puis le problème est réglé. La théorie quantique, non, ça ne marche pas du tout comme ça, pour une raison à la fois simple et profonde, qui est que la théorie quantique est une théorie qui est révolutionnaire, au sens où elle a, non pas jeté à bas, mais si vous voulez, elle a la théorie quantique repose sur des concepts qui sont, non pas contradictoires, mais incompatibles avec les concepts que la physique classique avait peu à peu forgés au cours des siècles, et je dirais même avait presque érigé en dogme, parce que, bah oui, ça marchait très bien. Il y a l'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple de la trajectoire d'un objet. Quand vous imaginez une bille qui se déplace dans l'espace, on imagine, et puis on voit que la bille en question suit une certaine trajectoire. L'objectif du physicien, à ce moment-là, c'est de décrire la vitesse de la bille, sa position, et tout ça, ça marche très bien. La mécanique quantique, la théorie quantique, vous dit non, la trajectoire n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui est, au sens propre, ahurissant dans la pensée classique, parce que précisément, la notion de trajectoire était un dogme. Qu'on puisse la calculer, la modéliser, relève de la difficulté technique, mais au sens, c'est-à-dire sur le plan des concepts, nul ne doutait que la trajectoire n'existe pas. On la voyait, elle existait. En théorie quantique, non, il n'y a pas de trajectoire. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que la théorie quantique est une théorie révolutionnaire, parce qu'elle met à bas, entre guillemets, elle ne les récuse pas, elle dit simplement... Quand il s'agit de décrire la physique des petits objets, alors les petits objets, ça commence typiquement à l'atome, et évidemment au-delà, en deçà, pardon, la théorie classique ne fonctionne pas, on a besoin d'une nouvelle théorie, et cette nouvelle théorie ignore la notion de trajectoire. On peut la récuser, et alors si vous voulez, à ce moment-là, comme ça a été, non pas la récuser, mais la contester, comme ça a été le cas au début de la mécanique quantique, dans les toutes premières années, mais il y a une chose qu'aucun physicien ne peut accepter, c'est si vous avez une théorie qui résout les problèmes de l'époque, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque où la théorie quantique a été construite, la physique s'effondrait. C'est-à-dire que tout ce qu'on observait au niveau de l'atome était en contradiction violente avec la pensée classique. Donc il fallait construire une nouvelle théorie. Donc des physiciens admirables comme Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac ont construit cette théorie qui est effectivement révolutionnaire. Et la question, c'est de se dire, est-ce que cette théorie est validée par l'expérience? C'est-à-dire, est-ce que les expériences qu'on va faire après vont dire, oui, la théorie a raison, ou au contraire, la théorie est farfelue? La réponse est que 90 ans après, bientôt, aucune expérience aujourd'hui n'invalide la théorie quantique. Donc, c'est une théorie révolutionnaire, validée par l'expérience, mais qui introduit tellement d'extravagance qu'on est obligé de l'interpréter précisément. Et c'est là où se pose réellement le problème de l'interprétation. Alors, c'est un sujet qui est immense. Il y a eu, depuis Heisenberg 1925, il y a eu un très très grand nombre d'interprétations. Vous trouvez des interprétations, comment dire, qui relèvent un peu de la philosophie, parce qu'en réalité, toute la question que pose la théorie quantique, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité physique? Et ça, si vous voulez, si on n'était pas là en train de discuter de physique, ça pourrait être un sujet de bac de philo. Qu'est-ce que la réalité physique? Et les plus grands comme Einstein, par exemple, se sont frottés à ce problème-là et se sont trompés, précisément. Donc c'est un problème extrêmement difficile. Dit autrement, quand on aborde les différentes interprétations, comme on dit, de la théorie quantique, il y a toujours des présupposés philosophiques qui ne sont pas toujours explicitement mentionnés. Donc, si vous voulez, on a du mal à s'y retrouver. Je passe sur le fait que même parfois, ça m'est arrivé, je ne citerai pas, je n'irai pas plus dans le détail, de trouver des interprétations de la mécanique quantique sur des bases idéologiques. C'est pour vous dire à quel point le problème a été vivace. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais, la plupart des physiciens admettent la théorie quantique comme l'une des théories les plus extraordinaires qui soit, au sens où elle permet de comprendre presque tout. Je mets à part la gravitation à nouveau. Depuis la stabilité de l'univers, la stabilité de la matière, enfin bon, les phénomènes les plus fins qu'on observe, vous les traitez en mécanique quantique, en théorie quantique, et vous obtenez, si vous êtes capable de faire les calculs, des résultats en parfait accord avec l'expérience. Donc rien ne permet d'invalider la théorie quantique. Il y a eu, dans les années 80, il y a eu des expériences admirables qui ont été faites à Orsay par Alain Aspect, qui ont réglé un vieux problème, justement le fameux problème où, à propos duquel Einstein, Podolsky et Rosen s'étaient trompés en 1935. C'était un problème qui était... Einstein, Podolsky et Rosen avaient posé une définition de la réalité physique. Quand vous lisez leur article, vous vous dites « bah oui, ça peut être que ça ». Voilà. Et une fois qu'on admet leur définition de la réalité physique, ils ont une argumentation qui est logiquement irréfutable et qui donc arrive à une conclusion. Et pour dire, si on fait cette expérience en 1935, voilà ce qu'on va voir. En 1935, on n'était pas capable de la faire pour des raisons de pure technologie. Aspect a été capable de la faire en 1983. Et la réponse apportée par l'expérience, la physique est une science expérimentale, c'est Einstein, Podolsky et Rosen se sont trompés. C'est-à-dire que Aspect a démontré que la théorie quantique, jusque dans ses prévisions, dans ses descriptions les plus extravagantes, la théorie quantique avait raison. Donc vous voyez que tout ça peut créer un inconfort intellectuel tant qu'on n'a pas arrivé à se débarrasser, ce qui est très difficile, de notions qu'on a héritées du passé dans la pensée classique, par exemple. Et alors, puisque la question mentionne explicitement ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde ou le collapse de la fonction d'onde ou encore la réduction du paquet d'ondes, ça, c'est quelque chose qui est, je dirais au sens propre, incompréhensible. Vous savez, Feynman disait, quand il parlait de théorie quantique, quand il essayait de la faire comprendre à ses étudiants et à d'autres, il disait « Ne me dites pas que ce que je vous dis est absurde, parce que c'est la nature qui est absurde, si vous le dites. » Bon, donc, le collapse de la fonction d'onde, Schrödinger disait « C'est de la magie. » C'est de la magie. Schrödinger n'était pas un magicien, hein. Bon, c'est l'un des pères fondateurs de la théorie quantique. Ce que je veux dire, c'est que aussi inconfortable intellectuellement que ce postulat, parce que c'en est un, peut paraître, il est indispensable, parce que vous êtes devant l'alternative suivante. Ou bien vous admettez cette théorie parce qu'elle est validée par l'expérience, mais alors le prix à payer, c'est la réduction du paquet d'ondes avec tout ce que ça a d'extravagant, ou bien vous récusez la théorie parce qu'elle contient, ou plutôt, parce que pour des raisons de cohérence interne, elle a besoin de ce postulat, à ce moment-là, vous rejetez en bloc la théorie, et à ce moment-là, vous n'avez plus de théorie pour expliquer pourquoi la table tient debout, pourquoi il y a des étoiles à neutrons, etc. etc., etc. Donc, il faut bien voir que cette théorie donne lieu à interprétation parce qu'elle est révolutionnaire, d'une part, elle contient des prévisions qui sont difficiles à comprendre, elle oblige pour des raisons de cohérence interne à admettre des affirmations, des postulats, qui sont effectivement, j'ai envie de dire, oui, au sens propre, incompréhensibles, tout simplement. Et donc, le choix, je dis, l'alternative, elle est simple. Ou vous récusez la théorie parce qu'elle vous dit qu'il faut croire des choses extravagantes, hein, ou bien vous l'acceptez et vous êtes capable d'expliquer le monde, ce qui n'est quand même pas rien, ou bien vous la récusez, à ce moment-là, il faut dire, ben voilà, construisez une théorie alternative.